qu'elle a des pouvoirs incroyables. Et ça, c'est vraiment très important d'en prendre conscience. Ça peut être une arme, la musique. D'ailleurs, dans l'histoire, elle a été utilisée souvent comme telle. Quand on voyait les armées qui partaient, on voyait ces hommes qui partaient se faire tuer sur les champs de bataille, il y avait parfois des musiciens, des tambours, des fifres, des flûtes, et les gens allaient se faire tuer comme ça en musique. Les chants guerriers qui galvanisaient les troupes, des chants comme ça qui donnaient de la force. D'ailleurs, les hymnes nationaux. Les hymnes nationaux, c'est vraiment extrêmement, c'est belliqueux. D'ailleurs, les paroles déjà en elles-mêmes, mais c'est terrifiant parce que ça renforce les nationalismes. La musique, ça a des pouvoirs incroyables. Ça fait rire, ça fait danser, ça peut pousser les gens à s'aimer. Il y a des musiques aphrodisiaques, ça fait pleurer, il y a des musiques qui rendent tristes. C'est très très puissant, la musique. Ça va toucher l'âme, ça va toucher le cœur, ça va toucher la conscience. Et surtout, avec la musique, on peut s'élever, on peut vraiment élever l'autre à vraiment à plus de conscience. Ça, c'est quelque chose d'essentiel.